De temps en temps, je me frappe d'en face moi-même. Batteur pour les locataires depuis septembre 2012, Louis Gauthier maintient le rythme des plus grands succès des colocs. Entre les spectacles et les pratiques, Louis nous reçoit chez lui pour jaser un peu. Alors mon Louis, qu'est-ce qui t'a poussé à jouer de la musique? J'aime la musique depuis longtemps, puis je dansais dans les parties de famille. Je sais pas, j'avais le rythme. Puis ça a donné de même. Là. J'avais un ami qui avait. Son père avait un groupe. Tous les membres du groupe nous laissaient utiliser leur instrument un petit peu. Ils me ramassaient derrière le drum. Puis là, ben, je me suis rendu compte que j'avais genre une petite facilité. Fait que j'ai commencé à pratiquer à partir de ce moment-là. Une chance que tu as de la facilité, mon Louis. Parce qu'être batteur implique bien des responsabilités. Quelles sont-elles, selon toi? Mais faut être fiable, faut être efficace, faut éviter les erreurs à tout prix. Si le drummer il s'enfarge, il fait un temps de plus, là il peut vraiment démolir la toune. Donc, la batterie a une très grande importance au sein d'un groupe. En fait, mène un peu, puis les autres viennent l'accompagner. Là. C'est vraiment important d'avoir quelqu'un de fiable, puis un drummer efficace qui va être tout le temps tight, là, si on peut dire. Louis nous a ensuite amené chez GD Musique pour nous parler de son équipement. Le premier gars qui a fait du body surfing, c'était un unijambiste. J'ai un drum Sonor Force 3007 en érable, une pédale double que j'ai rajoutée dessus, des cymbales B8. Au départ, c'était 2000$. Après ça, j'ai réinvesti pour un band drum. Quasiment un lazy boy là, de drum, c'est vraiment pas un luxe. Là. Faut faire attention à nos drummer. Par la suite, j'ai rajouté une cymbale XS, puis des dizaines de dollars de façon multiple pour des baguettes. Ça paraît pas, mais un petit bout de bois de même, ils vendent ça cher. De retour à son appartement, on discute business. Quels sont les avantages d'avoir une gérante, selon toi? L'avantage, c'est que on n'a pas à se préoccuper du tout. Du booking, elle s'occupe de tout. C'est vraiment... La seule chose qu'on a à se préoccuper, c'est de bien jouer. Et à quelle fréquence vous produisez-vous en spectacle? Cet été, ça risque d'être quasiment aux semaines. Ces temps-ci, c'est aux deux, trois semaines. Crois-tu pouvoir vivre de ta musique? Présentement, non. Au sein d'un band, si le band marche vraiment, ça pourrait. Mais autrement, il n'y a pas de débouché, genre de métier, vraiment. Et pour finir, comment envisages-tu l'avenir du groupe? J'envisage ça bien. Cet été, on a des shows à finir. On joue dans des festivals, des bars, la Saint-Jean-Baptiste. On sort en masse, puis on va être bien nickel. On a beaucoup de beaux contrats. Merci pour ton temps, Louis. Ça fait plaisir.